So many reasons. Oskar, liefst du noch? Was? Liefst du noch? Should they?
allow you to. You can do anything, anything if you put your mind to it. You can do anything, but don't say my word for it. But this is the truth, that's infallible true. Put it in use, it's invaluable too. All the bars are mixed with parables true. This is knowledge, it's inflammable too. Wait, where the they find this kid, it's a mystery. I don't know, man, it's the... Salut tout le monde, du spectacle au programme aujourd'hui avec un match qui va se jouer dans d'excellentes conditions. Pierre Ménès a pris place à mes côtés pour vous faire vivre avec moi ce grand rendez-vous de foot. Le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain. On va assister à un match passionnant, deux équipes qui pratiquent du très bon football. La rencontre promet vraiment d'être intéressante, notamment avec ce beau duel hein, entre deux joueurs. On est face à deux excellents joueurs, on est plutôt chanceux de pouvoir assister à ce match. Et on espère vraiment qu'on va être gâté. La rencontre du jour va se disputer dans ce stade qu'on peut... qualifié de belle arène. Ah déjà, il n'y a pas un poteau pour nous gâcher la vue, donc c'est bien, pas mal. La composition du Barça qui s'affiche à l'écran. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Oh, elle ne passe pas loin, cette tentative de Luis Suarez. Messi, et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Kylian Mbappé. Il n'a pas pris le risque. Corner. Attention, ce corner de Neymar. Ah, j'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que... Il est allé au bout de son geste, mais c'était trop mal joué pour que ça donne quelque chose. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Attention à cette action. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Sacré exploit individuel, vraiment. Il a su profiter. Des espaces que les défenseurs lui ont laissés. Et lui, les espaces, on le sait, il ne faut pas lui en laisser beaucoup. Sergio Roberto. Messi. Léo Messi, qui nous régale hein, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. On va faire court, Hervé. Hein. C'est le meilleur joueur du monde. Sergio Roberto. Ouais, ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. C'est Paris qui va jouer cette touche. Neymar. Bernat. Neymar. Mbappé. Mauro Icardi. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il stoppe son action, il était hors jeu. Sergio Roberto, Luis Suarez. Ah, on connaît les qualités techniques de Luis Suarez, son habileté devant le but.
Il a la puissance, il a tout finalement. C'est vraiment un joueur de potentiel meilleur joueur du monde. Quoi. Je pense que c'est le meilleur avant-centre du monde. Même s'il n'est pas très grand, il est extrêmement costaud. Il est infatigable, c'est un bon dribbleur. Et puis une efficacité devant le but invraisemblable. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Jordi Alba, Clément Lenglet, Sergio Busquets, Sergio Roberto, Messi. Intercepté, passe de Messi. Bernat. Mbappé. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. On va encore lui par le Barça. Di Maria pour Icardi. Allez, occasion pour Neymar. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Messi sur le côté, avec personne devant pour l'arrêter. Lionel Messi. Attention Navas, il a relâché le ballon. Navas, oh la parade extraordinaire du Costaricien. Neymar. Bernat. Marco Verratti. Mbappé. Kylian Mbappé, début de carrière absolument hors norme. Quand on gagne la Coupe du Monde à 19. Mauro Icardi. Et ça fait but. Superbe but de Mauro Icardi, l'Argentin qui ne se pose pas de questions là sur cette action. Ça paraît toujours facile de marquer d'aussi près, mais en fait c'est pas tant que ça. Hein. C'est justement quand ça paraît facile que tu sais que le mec est un bon buteur avec du flair. Ça fait maintenant du but d'écart. Un 2-0 au tableau d'affichage. Messi. Il n'y a personne pour couper la route de Léo Messi qui va pouvoir s'enfoncer. Léo Messi. Attention, c'est pas terminé. La tête, oui, le but. C'est ce qu'on appelle réponse rapide. Oui, c'est pratiquement sur l'engagement qu'il marque. Hein. Ouais. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. Ballon intercepté par Sergio Busquets. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Ouais, il l'a déposé. C'est beau, ça. Ouais, pas mal, pas mal. Marco Verratti. Le FC Barcelone qui récupère. Bernat. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Lionel Messi. Eh, le gardien qui est battu. Bon, finalement, ce sera plus compliqué que prévu. Hein. Malgré les deux buts d'écart, cette équipe n'a pas baissé les bras. Et voilà, égalité au score. Deux partout entre les deux clubs. C'est vraiment serré. Passe. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Marco Verratti. Interception sur cette passe de Verratti. Mbappé, Marco Verratti, les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Il a débordé la défense. Un tacle décisif dans sa propre surface. Bernat. Mbappé. Marco Verratti. Non, il y a hors-jeu. Piqué.
Sergio Busquets. De Suarez. L'attaquant est passé. La grosse occasion pour prendre l'avantage. Et voilà. Et le but. Le but signé Frankie de Jong. Oh, c'est le genre de situation qu'il aime bien. On voit sur ces images qu'il n'y avait plus qu'à la pousser au fond dans le but vide. Bah même moi j'aurais pu le mettre, Hervé, même moi. Je suis pas sûr quand même. Le PSG qui menait au score. Et là, il rend le ballon à l'adversaire là. Mbappé. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Et il gagne quelques mètres. Oh, le gros exploit personnel, attention. Mauro Icardi. Et c'est au fond. C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin des filets aujourd'hui. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. Oui, il y a faute hein, sur le joueur du Barça, coup franc. Nelson Semedo. Il progresse vers le but. Allez, il faut centrer. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Mbappé. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Oula, il y avait quand même un risque. Lionel Messi. Ah, il récupère. Pressing. Mbappé. Marco Verratti. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein, parce que le jeu, c'était pas là. Sergio Roberto. La passe est coupée et bien défendue. Verratti, il est en position pour centrer. Hors jeu, Neymar, le drapeau s'est levé. Sergio Roberto. Messi. Luis Suarez. Luis Suarez solide. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Et il a profité d'une erreur de marquage. Il était en bonne position, mais à l'arrivée, c'est une sortie de but. Piqué. De Suarez. Les Blaugrana qui ont le ballon. Alors, il s'échappe tout seul, balle au pied. Luis Suarez. Suarez, Luis Suarez qui marque. Ah, c'est jamais bon pour l'adversaire quand il traîne par là. Eh, ça s'emballe un petit peu ce match quand même, Pierre. Oui, on dit Hervé qu'il faut être vigilant après avoir marqué la preuve. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Le club de la capitale mené au tableau d'affichage. Le Barça qui continue, il y a avantage. Suarez. Et ce ballon qui file jusqu'au gardien. L'action qui n'ira pas plus loin. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah non, ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Et même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Messi. Sergio Roberto. Il faut trouver l'ouverture. Ouais, c'est le gardien. Quel dernier mot sur ce ballon? Ah, belle sortie.
Sergio Roberto. Ça, ça peut devenir dangereux. Messi. L'arbitre qui signale un hors-jeu, qui arrête le jeu. Passe de Busquets. Marco Verratti pour intercepter cette passe. Peut-être l'égalisation. Eh oui, il marque. Pense avoir fait le plus dur, ils encaissent un but juste après avoir marqué. Ah, oh, quel match il est en train de nous faire. Bah, on peut pas faire mieux, Hervé, c'est du 100%, tout simplement. Allez, encore une égalité. Allez, continue Messi. La frappe de Léo Messi. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Bernat. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Bernat. Ah non, 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 ça va s'arrêter là. Il y a le drapeau qui s'est levé. Un hors-jeu signalé. Nelson Semedo. Les joueurs du Barça opposés à un sérieux adversaire aujourd'hui. Rapport de force assez équilibré. Je pense que ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être sur les coups de pied arrêtés. Allez, le centre à venir. Un retrait. Et le but. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe. Il va falloir préserver ce résultat maintenant. Ça va pas être facile. Le Barça est mené. Téché qui perd ce ballon. Clément Langlais. Ouais, très bon tacle. Il récupère le ballon. Allez, on peut prendre l'espace. Oh, il y est. PSG qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. Ben, je pense qu'il va falloir qu'on change les filles avant la fin du match. Si ça continue comme ça, on va être trop usé. Léo Messi balle au pied. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Ballon perdu par les Parisiens. Oh, le vilain tacle. Où l'arbitre va sévir, à mon avis. Ah, il y a faute, hein, selon l'arbitre. Même carton jaune pour le joueur du Barça, Hervé. Oh, la mauvaise run. Oh, le grand danger. Et c'est un but. But vraiment parfait dans sa conception. On fait tourner, on ne se précipite pas. Du coup, il y a cette ouverture limpide et le buteur qui mystifie le gardien en 1 contre 1. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Sergio Busquets. Sergio Roberto. Le Suarez. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Messi qui prend sa chance. Attention, c'est pas terminé, malgré Navas.
but signé Frankie de Jong. Je crois que ça allait trop vite pour la défense adverse. Quel match, une avalanche de buts. Allez, continue Messi. Il est dépossédé du ballon par Marquinhos, c'est à la régulière. L'arbitre a laissé jouer, avantage pour le Barça. Léo Messi, et le ballon bloqué par le gardien. Marco Verratti. Et le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Allez, il lève la tête pour le centre. Mbappé, Mbappé en bonne position. Oh, magnifique, le gardien, le sauvetage. Et Neymar à la récupération. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Un coup franc pour le FC Barcelone. Frankie de Jong. Léo Messi. Marquinhos. Neymar. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Ouais, l'entraîneur pas très content. Il estime que ses joueurs ont gâché une bonne possibilité de contre-attaque. Oh là là, l'occasion. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a juste taclé comme un bourrin dans la surface. Ah, ces joueurs qui sont menés. Mais on est d'accord, hein, Pierre, pour dire que le match n'est pas encore perdu. Non, c'est peut-être un petit peu tôt pour s'affoler, là, du côté du... Ouais, l'arrêt de Keller Navas, c'est bien joué. Et finalement, l'arbitre a décidé de lui mettre le jaune. Bien réfléchi, quand même, on dirait. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Il y a Luis Suarez au deuxième poteau. C'est dégagé. Place là pour une contre-attaque. Elle partait bien cette contre-attaque, mais ça s'est compliqué très vite. Mais attention, là il s'échappe en solitaire. Oh, la nouvelle occasion. Et le but, que c'est beau. Aucune chance au gardien à bout portant. Et le joueur qui a vu, bien sûr, son coéquipier bien placé. En plus, il lui donne le ballon exactement dans le bon timing, car il ne peut pas s'en sortir. Il semble prendre un avantage quasi décisif.